bateau. Conférence de presse d'avant-match, AS Monaco, Rodez, 32e de finale de Coupe de France, en compagnie de notre gardien Thomas Didillon. On va pouvoir commencer avec vos questions et pourquoi pas avec Léandra qui vient de s'installer. À toi l'honneur. Bonjour Thomas. Bonjour. Le club reste sur une finale il y a deux saisons, une demi cette saison. Forcément, des objectifs encore élevés pour cette compétition cette année. Oui. Oui, absolument. Mais je pense que de toute manière, en étant là avec Monaco, on peut pas. On se doit d'avoir ces objectifs-là et de les maintenir. Après, ça a été des parcours et des performances qui ont été notables. Et aujourd'hui, bon, on le sait tous, les conditions elles sont un peu différentes avec le calendrier qui nous compresse encore un peu plus. Mais voilà, on a un groupe qui est assez étoffé pour répondre à ces exigences-là. Et surtout, on a la qualité dans le noyau pour pouvoir répéter ce genre de performance. C'est bien ça. Bonjour Thomas, meilleurs vœux également pour cette nouvelle année. La santé surtout. Ça va être ton premier match sous le maillot officiel, sous le maillot de Monaco. Ton coéquipier Alexander Nübel avait reconnu qu'il avait fallu du temps, notamment pour s'adapter, pour retrouver le rythme. Toi, ça fait 6 mois quasiment que tu ne joues pas en match officiel. Comment tu perçois un peu cette première pour toi à venir Ah, c'est vrai, on ne s'est pas souhaité les meilleurs vœux. On est vraiment mal poli. T'aurais-tu le souhaité? Ouais. Pour répondre à ta question, c'est la raison pour laquelle on s'entraîne tous. C'est pour être prêt pour ces échéances-là et j'en fais partie. Alors, qui dit match officiel, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des matchs de préparation, surtout là pendant la longue trêve qu'on a eue où j'ai pu jouer et prendre des minutes. Donc c'est aussi le but, je pense, du noyau, c'est que tout le monde ait du temps de jeu et puisse en profiter là. Donc j'arrive pas de n'importe où sans être prêt ou quoi que ce soit. Donc je suis très serein sur le fait que il y aura toujours 11 adversaires, que le ballon il sera toujours rond et que les phases que je vais rencontrer elles seront similaires à celles qu'on travaille à l'entraînement. Donc pour moi il n'y a aucune raison de surréfléchir à cette situation-là, juste de montrer que l'équipe elle peut compter sur moi et que je peux répondre présent comme Alex l'a bien fait depuis le début de saison. J'aime bien ton pull. Meilleur vœu Thomas. C'est pour ça que t'as redemandé le micro. C'est ça. À toi aussi. On avait une interview avec Paul Mitchell qui disait justement que tu étais un super partenaire pour Alex, pour Yann aussi. Ça, c'est aussi des propos qui, j'imagine, te font plaisir. Oui, forcément. Mais après, c'est aussi pour ça que je suis venu et ça a été un peu la teneur de mes propos quand je suis arrivé. C'était de pousser Alex à son meilleur niveau et de continuer à développer Yann qui a depuis 6 mois d'ailleurs fait de gros progrès aussi. Et c'est à souligner. Donc voilà, j'aime bien me voir comme le catalyseur un peu qui tire le meilleur de tout le monde. Et c'est assez drôle finalement parce que ça me sert aussi très très bien. Et je sens aussi que j'ai beaucoup progressé à leur côté. Et aussi avec Fred de Bouver, notre coach, je suis vraiment agréablement surpris parce que c'est une synergie qu'on a, une symbiose qu'on a, les quatre membres gardiens de chez nous. Qui est vraiment spécial et qui est assez unique
parce que je ne l'ai pas rencontré souvent dans ma carrière, et elle est positive pour tout le monde, donc c'est vraiment très positif. Mais on veut. Ouais, ouais. Et maintenant tout le monde. À toi aussi. Être très proche d'Alex chaque journée et tout ce qui est autour de lui en ce moment, ce qui a été autour de lui, ces rumeurs d'un retour, est-ce que vous avez trouvé au quotidien très focalisé sur ce qu'il a à faire ici? Moi, j'ai trouvé Alex très serein par rapport à tout ce qui s'est dit autour de lui. Je pense qu'il est conscient que c'est un très bon gardien qui a encore un brillant avenir devant lui. Voilà. Moi, je suis pas là pour le mettre mal à l'aise. Je suis là pour le mettre dans les meilleures conditions et je l'ai pas senti perturbé plus que ça. Donc, à partir de là, mon rôle s'arrête là. Maintenant, si venait à être plus perturbé que ça, je discuterai avec lui en tant que collègue et puis pour lui apporter mon soutien. Mais j'ai vraiment vu aucun signe d'un Alex qui doute, qui est fébrile ou qui est frustré ou d'aucune manière que ce soit, donc et je pense que c'est aussi un signe de maturité de sa part, parce que bon, on connaît tous le mercato, ce que ça implique comme effervescence, et je suis vraiment content de la manière dont il a réagi, et ça a rien changé dans son éthique de travail, dans la manière dont il vit dans le groupe, et je pense que c'est un élément qui est très positif par rapport à l'atmosphère justement dans laquelle on est chez les gardiens, mais plus largement aussi dans le groupe. Bonjour, meilleur vœu. À quel genre d'adversité tu t'attends pour ce retour de la Coupe de France face à une équipe de Ligue 2 qui a eu un début de saison compliqué? On s'attend à un match difficile parce que voilà, c'est la Coupe de France, c'est une réalité, il y a toujours des surprises et on n'a pas envie d'en faire partie. Donc c'est pour ça qu'on prend ce match très au sérieux, on sait qu'ils ont des qualités. Mais on sait aussi que c'est principalement nous, et que c'est de nous dont il est question, et que c'est à nous d'imposer notre rythme dans ce match, c'est à nous d'imposer notre football. Et je pense que l'issue du match, elle va dépendre de notre capacité à imposer notre rythme, notre style, comme on a su bien le faire sur les deux derniers matchs, et notre intensité. Et je pense que ce sera la recette du match-là. Mais penser que le match va être facile ou que ça va se dérouler comme sur du papier à roulette, papier à musique, ce serait se voiler la face, quoi. Et en tant que professionnel, en tant que compétiteur, voilà, il faut avoir du respect pour l'adversaire, mais c'est à nous de montrer qu'on n'est pas là par hasard et qu'on veut aller loin dans cette compétition. Comme sur les roulettes, papier à musique, comme sur les roulettes. Très joli en tout cas. Note artistique 10. Il y a une note artistique aussi éventuellement qu'on pourrait donner sur les tirs au but. C'est un exercice particulier pour un gardien. C'est une possibilité puisque avec la Coupe de France, cet exercice-là apparaît. Est-ce que tu t'es un petit peu préparé à ça en particulier ou pas plus que ça? On prépare les matchs de la même manière qu'on les prépare tous. Et ça inclut de voir, on a une préparation vidéo et ça inclut, voilà, ça inclut les phases de jeu arrêtées et les pénalties en font partie. Maintenant, c'est sûr que c'est un exercice qui est un peu plus délicat, mais voilà, on s'y prépare en tant que gardien et ça, j'englobe tous les gardiens de l'AS Monaco dedans parce que c'est notre rôle et ça peut avoir un impact sur notre performance et sur le match. Maintenant, après, c'est sûr que voilà, ça se fait de la même manière. Alors avec plus ou moins de tireurs, ça, oui, c'est une évidence. Mais espérons qu'on n'en ait pas arrivé là. Bonjour Thomas, meilleur vœu. Ça fait quelques mois maintenant que tu es ici. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que tu as découvert chez Philippe Clément, quel type d'entraîneur il est? Et deuxième petite question, qu'est-ce qui, toi, te frappe le plus chez Elias Benseguir? On l'a vu faire des entrées tonitruantes. Voilà, toi, qu'est-ce qu'il a de spécial pour toi, Elias? Ok, bon, on va déjà répondre par rapport au coach. Je pense que le coach, il n'est pas là où il est par hasard, déjà.
Et moi, pour l'avoir côtoyé un peu en Belgique, je peux avoir un comparatif avec des équipes qu'il a coachées avant. Et ce qu'il définit, le coach, c'est l'intensité. C'est l'intensité, c'est le rythme, et c'est ce qui caractérise aussi le football de haut niveau. Aujourd'hui, c'est une donnée qui est centrale, hein, l'intensité, la vitesse. Et je pense que c'est ce qu'on essaye d'imprimer à chaque match, et c'est ce que je disais juste avant. Et voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il définit. Mais c'est aussi un bon manager dans la mesure où gérer un noyau qui est aussi étoffé pour jouer autant de compétitions sur un calendrier aussi chargé, c'est pas un exercice simple, surtout avec des joueurs de foot. Donc, il faut avoir aussi beaucoup de respect pour cette fonction managériale qui est tout sauf simple. Et de combiner ça avec l'aspect tactique, avec l'aspect motivationnel sur beaucoup de joueurs, c'est vraiment difficile. Et je trouve que dans l'ensemble, le coach, il arrive à maintenir tout un groupe concerné. La preuve en est avec les rotations dans les joueurs qui jouent, qui rentrent, parce qu'on a beaucoup de changements qui sont intervenus assez rapidement. Et vous ne me poseriez pas la deuxième question si justement le coach n'avait pas fait ces choix-là. Donc je pense que c'est ça aussi, là, cette sensibilité de pouvoir savoir qu'est-ce que je peux apporter à mon équipe pour faire des changements, que ce soit en tant que système, en tant que joueur avec des profils différents. Et il n'y a que des coachs qui connaissent très bien leur groupe qui peuvent avoir cette sensibilité-là. Et aujourd'hui, je pense que les résultats qu'il a, il parle un peu pour lui et ses capacités, quoi. Pour Elias, pas que je lui tire dessus. Je suis content pour lui parce que c'est un jeune qui montre beaucoup de respect déjà. Et je pense que quand on a 17 ans et qu'on arrive à l'AS Monaco, il faut de l'humilité par rapport à ça. Et Elias, il en a. Il a beaucoup de qualités, mais comme beaucoup de jeunes ici ont beaucoup de qualités, ça c'est quelque chose qui on s'y habitue presque, mais c'est tout sauf habituel. C'est quelqu'un qui nous a fait du bien déjà quand il est rentré parce qu'il sait bien se positionner entre les lignes, il sent le foot, puis vous l'avez pas vu, mais à Leeds aussi il a été très convaincant dans ce registre là et je pense aussi c'est ce qui a convaincu le coach. Donc il est capable d'apporter un peu aussi cet enthousiasme, cette ingénuité dans le jeu et cette imprévisibilité. Donc bon, ça s'est concrétisé de la meilleure des manières pour lui. Il est conscient qu'il lui reste encore beaucoup de travail, parce que physiquement, je pense qu'il peut s'étoffer. Je pense mentalement aussi, il faut s'endurcir. C'est pour ça qu'il n'est pas là, d'ailleurs. Mais voilà, il a ce potentiel-là footballistiquement, parce que c'est quelqu'un qui sent le jeu, qui sait où se positionner, qui sait comment mettre l'équipe en avant, avant de se mettre lui-même en avant. Et je pense que ça, c'est une qualité qui, aujourd'hui, on pourrait qualifier Benzema de la même manière. Ces joueurs d'équipe aujourd'hui, ils sont primordiaux dans le football de haut niveau. Et je pense qu'Elias, il a très vite compris ça. Et s'il continue dans cette voie-là, ça se passera très bien pour lui. Mais aujourd'hui, l'AS Monaco et nous aussi, c'est notre responsabilité d'être très vigilants par rapport à ça. Parce que il y en a eu beaucoup, je pense, des conférences de presse où on dit ton collègue qui a un phénomène, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et au final, on n'en connaît plus 80% de leur part. Donc voilà, restons mesurés, apprécions ce qu'il fait et nous on fait en sorte qu'on puisse le développer et que lui puisse avoir la meilleure carrière possible pour lui. Christophe ? Allez, l'avant-dernière pour Christophe. Est-ce qu'il va tomber dans le panneau ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? Quel panneau ? Ah, je lui dis rien, hein, sinon c'est pas marrant. D'accord. Alors, je veux pas prendre de risques. C'était les meilleurs vœux. Il y a eu un petit truc avant que tu arrives. D'accord, bonne année alors. Ouais. je voulais savoir, toi, tu joues pas beaucoup depuis que tu es là, mais tu as un rôle très important. On voit quand tu parles qu'il y a du calme, il y a de l'analyse. Quel est ton rôle spécifique au sein du groupe? Qu'est-ce que tu apportes au-delà, bien entendu, à titre personnel, de vouloir jouer tous les matchs, ce que je comprends. Bon, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour pouvoir répondre à ça, mais je vais faire de mon mieux. Déjà, moi, mon rôle, c'est d'être prêt. Et ça, c'est le rôle qui incombe
une majorité de deuxième gardien. C'est d'accepter la situation, parce qu'elle est ce qu'elle est, et c'est comme ça, et je ne vais pas réinventer la roue. Et c'est aussi de montrer aussi une forme de respect envers Alex. Mais mon job, c'est de rester prêt. Peu importe ce qui se passe, d'être prêt. Dans un second temps, et de manière plus large, ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir accompagner Yann Yenard aussi, le troisième gardien, qui a fait des gros progrès. Et j'aime à penser que l'atmosphère de travail qu'on met et la communication et qui est saine autour du groupe, elle catalyse un peu cette progression-là. Et dans une plus large mesure encore, au niveau du groupe, moi j'essaye de sonder un peu les atmosphères, les états d'esprit, les frustrations. Et voilà, et de faire en sorte que tout le monde puisse donner le meilleur de soi-même dans les meilleures conditions quand le coach fait appel à ces personnes-là. Alors ça peut être des joueurs frustrés de ne pas jouer, qui estiment ne pas avoir ce qu'ils méritent. Ça peut être des jeunes joueurs qui découvrent, comme je répondais par rapport à Elias. Ça peut être des jeunes joueurs qui sont frustrés parce qu'ils sont peu impliqués. Et qu'ils aimeraient avoir plus d'implications, ou juste une gestion des émotions, qui peuvent être des fois un peu plus difficiles pour les plus jeunes. Donc voilà, c'est un peu mes missions qui englobent un peu toutes ces responsabilités-là. Alors je ne suis pas tout seul, hein, l'AS Monaco, je ne suis pas psychologue à plein temps, mais je suis persuadé que par mon expérience, c'est des choses qui peuvent avoir de l'impact par rapport aux jeunes joueurs, plus que quelqu'un dans un bureau. Alors c'est du travail qui est totalement différent, mais le ressenti du vécu et le partage d'expérience, même au-delà du football, hein, c'est quelque chose qui peut être très important pour eux. Et je me fais un plaisir de le faire parce que c'est tous des bons mecs, franchement, et voilà, et qu'ils méritent tous d'être là où ils sont. Et quelquefois ils ont juste besoin d'entendre les bons mots juste avant le coup d'envoi, ou juste de rappeler des choses factuelles, voilà, parce qu'on est vite pris aux émotions dans le sport, et de pouvoir apporter ça, si je peux déjà apporter ça sur un joueur, c'est aussi une victoire sur une mission en parallèle de mon rôle de deuxième gardien, quoi. Je suis désolé, il faut vraiment que... Bon, c'est pas à l'ordre du jour, quoi qu'il arrive, mais est-ce que vous pensez que j'aurai le même impact que le coach, et que le coach peut avoir le même impact? Je pense surtout que... Non, mais je pense que dire un discours, que le coach peut donner un discours à un joueur et entendre un discours similaire de la part d'un autre joueur, je pense que les réactions peuvent être différentes déjà, parce que... Moi, je suis d'égal à égal avec les joueurs, alors qu'il y a une notion de hiérarchie avec le coach. Et c'est aussi peut-être d'amener la chose différemment pour faire comprendre les points de vue et qu'il y ait une convergence d'intérêts, et de faire comprendre aux joueurs ça. Des fois, ça peut être quelque chose qui peut être déterminant. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Et on revient tout de suite avec le coach Philippe Clément. Merci. Bonne année.
Rebonjour à toutes et à tous. On poursuit cette conférence de presse d'avant-match face à Rodez en compagnie de notre coach Philippe Clément. Je vous en prie pour les questions. Philippe, bonjour. Bonjour Léane, tu as changé J'ai de place. Un peu changé, ouais. Okay, j'étais okay. Un peu en retard, Philippe. Ok. demi-finale la saison dernière, finale il y a deux saisons. Forcément, Monaco a des objectifs très élevés encore cette année dans la compétition. Oui, mais je pense que tous les clubs, quand ce n'est pas le cas, c'est un petit peu fou, je pense. C'est un prix que tu peux gagner. Mais à la fin, c'est seulement un vainqueur. Ça, c'est la route de la Coupe. Ouais, chaque tour, tu dois être très concentré. Il y a toujours des surprises. Et c'est à nous de faire d'abord un bon match contre Rodez. On doit commencer avec ça et pas penser à des autres tours ou des choses comme ça. On doit penser à ce match. Bonjour coach, meilleurs vœux pour cette année. Merci. C'est un match contre un mal classé en Ligue 2. Ils sont dans la zone de relégation. Est-ce que ça peut ressembler à un match piège ? Ouais. Pour moi, c'est très facile. Je veux toujours gagner et j'ai respect pour tous les adversaires parce que chaque équipe ils ont des qualités spécifiques. Chaque équipe a des choses qui sont, oui, qui sont bien et des faiblesses aussi. On cherche des faiblesses toujours dans les analyses. Mais nous devons être concentrés à nous-mêmes. C'est une des choses que j'ai dit déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup fois ici dans le vestiaire. Et je vois de plus en plus en plus des joueurs qui comprennent ça. Je veux voir un Monaco qui est concentré sur eux-mêmes. Et si c'est contre Rodez ou Brest ou Auxerre ou Paris Saint-Germain, pour moi, la motivation doit être la même chose. Et je vois de plus en plus un groupe de joueurs qui comprend ça et plus de régularité, plus de concentration dans les matchs contre des équipes qui ne sont pas les grands noms. Et c'est important parce que quand tu ne fais pas ça, tu es en danger de perdre la coupe. Et c'est la même chose dans le championnat. Quand tu perds les points contre des équipes qui ne sont pas bien placées dans le classement, c'est le même amount de points que les grandes équipes. On doit être toujours concentré. Je vois de plus en plus des joueurs qui comprennent ça. C'est maintenant à nous de prouver ça ce week-end. Du coup, pour revenir sur cette équipe de Rodez que vous allez affronter, quelle analyse vous avez de cet adversaire ? Est-ce que vous avez justement déjà vu des petites failles dans cette équipe ? C'est une équipe qui joue avec 5 à derrière, avec 3 milieux et 2 attaquants. Une équipe aussi avec beaucoup de taille, qui peut être dangereuse dans les phases arrêtées, aussi avec de bonnes transitions avec deux pistons qui ont un jeu très dynamique dans les transitions. Et les choses que nous cherchons pour les espaces, je vais dire à mes joueurs, mais pas à vous, notre amour. Bonjour Philippe, est-ce que tu pourrais nous parler de Thomas Didion qu'on a vu juste avant? Il nous décrivait son rôle, ça a pris 5 minutes parce que son rôle, au-delà du rôle sportif, c'est un rôle d'accompagnateur des gardiens de but, mais également des jeunes du groupe. Enfin, c'est une espèce de psychologue joueur. Enfin, en tout cas, il essaye un petit peu de l'aide. Est-ce que tu peux nous raconter tout ce qu'il apporte à ce groupe? L'année passée, nous avions 3 gardiens qui voulaient être le premier gardien de Monaco. Et dans leur tête, ils étaient le premier gardien de Monaco.
à cause de ça, il y a plus concurrence dans les entraînements, et c'est bien. Maintenant, c'est aussi comme ça, mais avec les rôles qui sont plus spécifiques. Nous avons un premier gardien, nous avons un deuxième gardien qui a déjà beaucoup d'expérience, qui sait aussi vraiment son rôle ici, d'être deuxième et d'être prêt quand le premier fait pas le travail comme il doit faire pendant certains mois. Une série de matchs qu'il est prêt ou quand il y a des blessures. Et nous avons un jeune avec Yann Liénard qui est ici pour améliorer, pour apprendre des deux gardiens et de Fred des choses et qui a grandi aussi beaucoup les derniers mois. Il y a un bon équilibre maintenant dans ce petit groupe et ça reste toujours dans chaque équipe un groupe qui est un petit peu à part. Oui. À part des autres joueurs, ils travaillent beaucoup de temps ensemble. Ça doit être aussi avec beaucoup de solidarité pendant tous les exercices et tout ça. Nous avons parlé assez long, assez spécifique avec Thomas devant, il est venu ici. Après son période de stage qu'il a fait ici, parce que nous avions déjà cette idée dans la tête, mais nous voulions d'abord voir comment il était ici avec les joueurs dans le vestiaire pendant l'entraînement et tout ça. Et après, nous avons eu une bonne réunion avec lui, avec Paul aussi, de parler de ce rôle, parce que c'est un rôle très spécifique. Mais oui, il y a des gardiens qui font ce rôle pendant toute leur carrière aussi. Et c'est un rôle spécifique, mais très important aussi. Et comme tu as dit, pour nous, c'était aussi important d'avoir des joueurs expérimentés dans cette vestiaire, d'aider les jeunes joueurs, pas seulement les jeunes gardiens, mais aussi les autres, avec l'expérience et avec un très grand professionnalisme. C'est aussi une chose qui est très importante dans cette rôle. D'être un leader, par exemple. Et pour le moment, les 6 mois que Thomas est avec nous, il a prouvé toutes les choses que nous pensons qu'il pouvait faire pour l'équipe. Et ça reste un rôle très important. C'est à cause de ça aussi, c'est une des choses qui a aidé de laisser grandir Alex aussi. Bonjour Philippe. Bonjour. L'année dernière, vous aviez perdu au pénalty à Nantes. Tchouaméni avait loupé. Est-ce que tu avais défini les 5 tireurs? Est-ce que tu vas jusque-là avant une compétition? Est-ce que tu as, et si oui, est-ce que tu as un ordre spécifique, etc. Est-ce que vous allez jusque-là ou c'est au feeling? Pas encore pour le moment. Et deuxième question, quand tu l'as vu tirer en finale de la Coupe du Monde, est-ce que tu pensais qu'il allait louper, Tchouaméni? Ouais. C'est une chose dangereuse que tu me demandes maintenant, parce que maintenant on peut dire que Aurélien n'est pas bien pour tirer les pénalties. Ça peut être la conclusion maintenant que tu me dis, mais ce n'est pas le cas. Il a fait plusieurs fois vraiment bien à l'entraînement. Il ne fait pas si beaucoup pendant les matchs, parce que ça reste dans tous les clubs la même chose. C'est 1-2 joueurs qui le font pendant une saison, toujours les mêmes. Mais dans les séries de pénalties, il y a plusieurs. Je ne pense pas qu'on fait la conclusion maintenant que Wissam n'est pas
un bon avec les pénalties, mais il a raté aussi à ce moment à Nantes et aussi dans des autres moments. Mais il a marqué aussi beaucoup de fois. Mais il a eu aussi la chance de prendre beaucoup de pénalties. J'ai les joueurs dans ma tête, mais ce n'est pas définitif parce que je n'ai pas encore mon 11 de base dans la tête. Je ne sais pas encore qui sont les joueurs qui finissent le match aussi contre Rodez. Ce sont aussi des choses qui sont importantes. Comme ça, il y a plusieurs joueurs qui sont dans ma tête. Et de temps en temps, on fait des séances, des pénalties à l'entraînement. Tu peux voir des choses, mais on ne peut jamais, jamais créer la même atmosphère que pendant le match. Et le très bon exemple ou mauvais exemple, c'est plus mauvais, je pense, c'est l'équipe d'Hollandais. Parce que Louis van Gaal a commencé l'année devant Coupe du Monde, pendant une année, un programme avec ses joueurs, avec tous les internationaux. Ils ont pris un entraîneur spécifique pour les pénalties, pour expliquer à tous les joueurs qu'est-ce qu'est le bon pénalty. Pour les gardiens, la même chose. Il a testé 6 ou 7 gardiens de but pour faire une bonne sélection pour Coupe du Monde. Tous les joueurs, ils ont eu un programme dans leur club de faire chaque semaine une série de pénalties. Ils devaient montrer ça avec vidéo pour l'équipe nationale. Et à la fin, ils ont combien raté? 3 de 5? Je pense que ça, c'est le meilleur exemple aussi. On ne peut jamais créer la même situation que dans les matchs. Et je suis quelqu'un qui veut répéter tous les détails. Oui. Vraiment en détail de toutes les choses qu'on fait, avec ballon, sans ballon. Et pour moi, le penalty, ça reste la chose la plus difficile d'avoir la même situation pendant l'entraînement que pendant les matchs. Non, c'est pas loterie. Non, certainement pas. C'est pas loterie. C'est pas si grave. Mais il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de paramètres qui sont importants. C'est pas seulement que quand tu fais un bon penalty, mais le gardien fait des très bonnes choses, tu peux rater à ce moment. Et ça peut être un bon penalty. Tu peux faire un mauvais penalty, mais le gardien prend l'autre côté et tu marques et tu es l'héros. Ça, c'est aussi l'histoire des séries de pénalties. Mais j'essaie de créer, on peut gagner des matchs devant les pénalties. On verra. Bonjour Philippe. Juste pour rebondir sur la question sur les gardiens, on parle beaucoup d'une concurrence saine entre tous les gardiens, mais est-ce que la saison dernière, diriez-vous que c'était pas forcément une bonne concurrence, parce que tous les trois ont en tête que, ah oui, je suis le numéro un? Non, c'était une bonne concurrence parce que ça restait avec respect. Ça restait comme ça. Mais pour les deux autres qui ne jouaient pas, c'était plus compliqué dans leur tête. Et c'était jamais un problème dans le vestiaire ou avec nous ou tout ça. Mais ils avaient des ambitions plus grandes. Ils avaient des ambitions plus grandes. À ce moment, Radek voulait jouer chaque semaine. Nous avons créé aussi une situation qui était idéale pour lui. Nous restons en contact avec lui.
aussi pour les entraînements, pour les choses d'améliorer à Cercle, parce que Fred a aussi beaucoup de contact avec l'entraîneur des gardiens là-bas. Et Vito, il était fini de contrat et il était parti à Lorient. Coach, vous avez pas mal évoqué l'apport d'expérience dans ce groupe. Il y en a un qui en a pas mal, c'est Wissam. Comment il a vécu ses derniers matchs avec sa sortie à Auxerre, le fait qu'il ne soit pas rentré en jeu, vous vous êtes expliqué sur la dernière rencontre. Et est-ce que là, c'est peut-être l'occasion de le relancer face à Rodez? J'ai pas vu un autre Wissam que les mois passés. J'ai pas vu une différence. Et tu sais que je dis jamais les joueurs qui commencent le match parce qu'on ne sait jamais, il y a encore un jour demain à l'entraînement. Il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Mais c'est bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent montrer de commencer les matchs pendant toutes nos séances. Et ça, c'est la chose que je veux dans tous les entraînements. Coach, justement, vous avez parlé par rapport à la séance de tir au but en essayant de vous projeter. Est-ce que par rapport à demain, on peut s'attendre en tout cas à pas mal de turnover pour donner du temps de jeu à tout le monde? On verra. Naturellement, c'est une semaine aussi avec 3 matchs dans 6 ou 7 jours. Comme ça. Ça dépend de la situation aussi, l'état physique des joueurs, la récupération. Et normalement, oui, je vais changer des choses, aussi de donner des minutes à des joueurs qui poussent pour le moment. Et pour ça, c'était intéressant aussi de donner des minutes à presque tous les joueurs pendant ce break, avec tous les matchs que nous avons organisés. Et on continue avec tout le groupe de donner des chances à des joueurs qui poussent pour ça. Est-ce que justement un joueur comme Jean-Lucas pourrait avoir des minutes? Il a été absent du groupe les deux dernières fois, il n'était pas à l'entraînement ce matin. Est-ce qu'il est toujours dans l'histoire, non, comme vous malade. Dites? Il était malade. Il était malade pendant 3, 4, 5 jours. Comme ça, il y a beaucoup des autres qui ont entraîné, qui ont joué les derniers moments. Comme ça, c'est difficile de donner une chance maintenant à Jean-Lucas. Il va recommencer normalement demain à l'entraînement. C'est la première fois après presque une semaine. C'est impossible de commencer après comme titulaire. Est-ce qu'on peut faire juste un petit point des autres absences pour le match? Le seul, c'est Kevin. Ça reste comme ça. Et les autres, ils sont tous disponibles normalement. Allez, encore deux questions, une pour Christophe et une pour Maxime. Oui, j'ai une petite question sur le fait qu'en championnat, vous êtes sur 27 matchs en ayant marqué au moins une fois. Je crois, c'est ça. Okay. Hein, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, hein. Et c'est bien plus que beaucoup, beaucoup de clubs. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important, ça? Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça montre? Et est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faudrait essayer de continuer, de garder? Pour moi, c'est très important, ça, parce que ça montre aussi que nous sommes une équipe qui veut toujours jouer pour créer des occasions, pour créer des buts. Nous sommes aussi dans un business qu'on veut que les gens qui regardent le match, qui sont contents après, les supporters,
C'est une chose importante pour nous. Nous essayons de jouer un style de foot qui est offensif, qui est pour créer des choses, qui est pour amuser les gens. Mais à la fin, naturellement, ça reste aussi un business que tu dois gagner. Autrement, tu ne peux pas rester longtemps dans ce business aussi, quand tu ne gagnes pas. On doit toujours trouver un bon équilibre entre l'amusement des gens et gagner des matchs. Mais ça montre, oui, que nous sommes une équipe qui veut toujours gagner. Aussi, quand c'est match nul, tu vois toujours une équipe qui veut encore gagner. Nous ne sommes jamais une équipe qui arrête devant le 16 mètres avec le grand bus pour arrêter tout, c'est pas faire les transitions d'essayer de marquer encore une fois. Mais le grand danger avec les séries comme ça, quand tu parles trop de ça, ça peut arrêter. Moi, mais je suis pas superstitieux, comme ça tu peux me demander cette question. Ouais. Coach, la période des transferts s'est ouverte. Il y a Benoît qui s'est envolé pour Chelsea, qui s'est plus entraîné là depuis quelques jours. Est-ce que vous attendez justement des mouvements sur cette période et particulièrement à ce poste pour compenser le départ de Benoît? Comme j'ai dit déjà quelques jours passés, je ne vais jamais parler des choses comme ça pendant un mercato, seulement avec mes dirigeants, les choses que je veux. Et à ce moment, il y a des discussions avec eux que c'est aligné ou pas. Et ça reste entre nous. Damien, on verra. Parce que c'est trop compliqué de dire ça, ça, ça. Et quand ça n'arrive pas, c'est après, ouais, et le coach et les dirigeants, ils ont des problèmes parce que le coach voulait ça et les dirigeants n'ont pas donné ou l'autre façon. Je veux rester aligné avec tout le monde ensemble et je suis quelqu'un qui travaille avec les joueurs qui sont là. Je suis concentré sur ça. Il y a des autres gens dans le club qui sont engagés dans les transferts et toutes les choses autour de ça. Et nous parlons chaque jour de toutes les situations. Mais mon rôle, c'est de travailler fort chaque jour avec les joueurs qui sont ici. Et moi, pour moi, mentalement, je suis toujours concentré sur les joueurs qui sont là. Parce que quand tu es concentré sur les joueurs qui ne sont pas là, qui ne sont pas encore là, ou vient jamais, tu perds ta connexion avec ton groupe de joueurs. Très bien, merci beaucoup à toutes et à tous de votre participation et à samedi pour le match. Merci beaucoup.